On a vu aussi dans ce résumé, Didier, la seule image douloureuse de la soirée, quelques secondes après son premier but pour sa première sélection, la blessure de Warren Zaïre-Emery. C'est quoi les nouvelles ce matin de Warren ? Comme je l'ai dit hier, bon, il a été évidemment en urgence passer des examens pour écarter vraiment la fracture, vu le geste, la position de sa cheville. Bon, ça a été écarté, ça reste une blessure importante qui va demander certainement, même s'il est jeune et en pleine forme, mais plusieurs semaines. Donc oui, c'était le point noir et l'inquiétude, parce qu'évidemment, sur des matchs comme ça, on n'a pas envie de perdre des joueurs. Donc ça aurait pu être plus grave. Vicente, première sélection à 17 ans, premier but, première blessure tout de suite. Il fait tout en accéléré. Je nomme, il a déjà un début de carrière qui ressemble à aucun autre. Ouais, en général, en équipe de France, il faut un temps d'adaptation. C'est le niveau international, c'est le poids du maillot, c'est des nouveaux partenaires. Mais il y a des joueurs qui sont des petits phénomènes. On en a eu un avec Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs marré très très tôt. Didier n'a pas peur de faire rentrer un jeune quand il estime qu'il est à maturité. Curieusement, à 17 ans, il a une grande maturité. Son début de saison avec le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Il a des qualités qui peuvent nous apporter beaucoup au milieu de terrain. Alors bien sûr, il y a une hiérarchie, il y a Rabiot, il y a Tchouaméni, il y a Kamavinga pour l'instant. Mais il rentre dans ces milieux de terrain qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe de France et à Didier. Je pense que s'il est là, ce n'est pas le hasard et on va le retrouver très vite. Vous avez été buteur, vous avez été passeur. Il vous reste quoi de la soirée record face à Gibraltar ? Ah, bonjour déjà. Bah, il reste beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. C'est la soirée parfaite. Alors même si Gibraltar a été un adversaire un peu en dessous, je trouve, par rapport au football moderne, voilà, je trouve qu'il y avait des choses incroyables qui se sont passées hier soir. On en a tous profité, il fallait en profiter, c'est ce qu'on a fait. Eh bien, on va en profiter encore avec vous, Jonathan, pendant tout ce téléfoot. On va remettre tranquillement tout cela à l'endroit du début de la semaine jusqu'à la démonstration d'hier soir avec Théo Barbé-Duquille et les images de Guillaume Bigot, de la Fédération française. 14-0, tout simplement historique. Impressionnant, impressionnant! Ça restera dans la mémoire, c'est 14 buts quand même! On n'a jamais vu ça! L'euro, il est à nous! 14-0, 9 buteurs différents, un triplé et 3 passes décisives pour son capitaine. Oui, l'équipe de France a bien régalé. Un magnifique régal, on en retient quoi, Didier, d'un tel match quand on est sélectionneur, quand on est coach? Savoure. Voilà, c'est une soirée magnifique parce que tout était réuni. Évidemment, il y a à tenir compte de l'opposition qui n'est pas celle qu'on a d'habitude, mais ça n'enlève pas le mérite aux joueurs, comme je leur avais dit avant. Le match, le gagner, on allait le gagner. On pouvait le gagner en faisant bien les choses ou en faisant très bien les choses. Je préfère que ça soit très bien, donc sur les demi-temps, avec beaucoup de qualité. Et puis bon, voilà, marquer autant de buts. Aujourd'hui, dans le football international, c'est rare. Donc, il faut apprécier et, voilà, cette capacité, à travers des soirées comme ça, de partager des émotions avec le stade qui est plein et puis, bon, de voir le bonheur des joueurs. Voilà, c'est magnifique. Justement, Didier, on a vu votre coach à la mi-temps dire « Vous ne gênez pas, hein, continuez, il y avait 7-0 ». Vous avez continué, vous n'êtes pas gêné. Il se passe quoi dans le vestiaire après le match, Jonathan? Est-ce que vous réalisez là tous que vous avez fait quand même un truc pour l'histoire? Non, on ne réalise pas vraiment. On avait à cœur à la mi-temps de continuer à marquer des buts parce qu'on ne voulait pas s'endormir. Et justement, on avait ce record en tête là. Après, non, je pense qu'on ne réalise pas vraiment. On voulait respecter l'adversaire du mieux possible. Je pense qu'avec un score comme ça, c'est totalement ce qu'on a fait. Mais en même temps, si on n'en met que 3, on va dire qu'on a joué petit bras et qu'on n'a pas forcément respecté cet adversaire-là. Donc, c'était le cas, l'aller. Voilà. Et je trouve qu'on a très bien fait les choses. Et voilà, il n'y a pas mieux que de finir le match comme ça. Thomas, à la loupe, je me tourne vers vous. On va revenir sur les moments forts du match de Jonathan. Et le centre, la passe millimétrée pour Kylian Mbappé. Vous avez aussi montré une très belle complémentarité ces derniers matchs avec Kingsley Coman dans le couloir. Vous sentez que quelque chose se met en place avec Kingsley, qu'il y a une vraie connexion entre vous deux? Ouais, après, ça s'est fait naturellement.
Il a été amené à, j'ai été amené à jouer derrière lui au tout départ, donc forcément il y a des discussions, il y a de la complémentarité, oui, parce que à ce niveau-là c'est des joueurs très intelligents, et donc forcément à travers quelques petites discussions on arrive vite à se comprendre par rapport au football. Donc j'aime beaucoup jouer avec lui, mais je pense qu'il est, ça lui déplaît pas non plus de jouer avec moi, donc tant mieux. Et faut que ça continue, il faut qu'on persévère encore dans ce domaine-là, parce qu'on a peut-être quelque chose à jouer, ouais. Vicente, c'est un duo à droite qui rééquilibre, ouais, le jeu de l'équipe de France. Alors, qui pensait à gauche. D'abord, il faut parler même football. Et c'est vrai que la complémentarité entre l'arrière latéral et l'ailier, elle est très importante. C'est vrai qu'avec Kingsley, ça marche très bien. Ensuite, ça rééquilibre en effet les forces. Le côté gauche était notre côté fort avec Kylian, avec Théo. Et là, l'association des deux, ça fonctionne très bien. Ça passe des deux côtés. Ses qualités offensives, sa qualité de centre, sa qualité de vitesse, de débordement, elle est top. Et ça marche bien avec Kingsley. Zay Emery s'est blessé jusqu'à la fin de l'année. Est-ce tant préjudiciable pour le PSG? Est-ce qu'il va vraiment manquer au PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du jeune Zay Emery, du prodige, du jeune joueur prodige du PSG, de la pépite du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Zay Emery, il s'est blessé avec son pays, l'équipe de France, contre Gilles Brata, les amis. Sa première sélection, il marque son premier but. Et son premier but, il se blesse. Il se blesse et on l'annonce blessé jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, son retour est prévu en janvier 2024. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'il va tant manquer au PSG? Le PSG a deux matchs cruciaux en Ligue des Champions contre Newcastle et ensuite contre Dortmund. Et actuellement, le PSG est deuxième. Donc, si on parle quand même d'un joueur qui est utilisé par Lucien Riquet, c'est le troisième joueur après Donnarumma. Skriniar, et il vient en troisième position. Est-ce que son absence est vraiment préjudiciable? Moi, je vais dire oui, vu l'effectif actuel du PSG. Si tu prends Zay Emery, tu le jettes peut-être au Bayern de Munich. Pour moi, il n'est même pas titulaire. Et par conséquent, son absence n'est pas préjudiciable. Par contre, ce PSG-ci, qui manque cruellement de milieu de terrain, Lucien Riquet est obligé de s'appuyer quasiment sur le même lieu. À quelques exceptions près, il change quelques joueurs, mais on sait que Ogata et Zay Emery, ce sont ces deux joueurs vraiment qui ne bougent pas. Ensuite, il peut changer par Vitinha, il peut changer par Barcola, etc., Fabio Ruiz. Mais on sait que Ogata et Zay Emery, c'est les deux joueurs phares du milieu de Lucien Riquet. Et comme il a perdu Zay Emery, est-ce que ça sera préjudiciable? Oui, si c'était à City, je dirais non, parce que City a un effectif pléthorique au milieu du terrain. S'il était à City, il ne devait même pas être titulaire. Zay Emery à City, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Donc, et s'il n'est pas titulaire à City, ça signifie qu'il n'est pas indispensable à City. Par contre, au PSG, il est. Il est vraiment indispensable. Il est capital, même au PSG. Il est capital, les amis. Donc, moi, je suis inquiet pour le PSG. Après, je fais aussi confiance à Lucien Riquet. Lucien Riquet, c'est un coach expérimenté. Il a de l'expérience. Il va certainement trouver des solutions. Et moi, je le vois relancer Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, ce n'est pas un tocard, les amis. Fabien Ruiz, à Naples, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui était courtisé même par les grands clubs, les gros clubs européens, Real Madrid, Manchester City, et j'en passe. Tout d'un coup, dès qu'il est arrivé au PSG, tout le monde le traite de tocard. Que non, ce n'est plus un bon joueur, c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Je pense que si Lucien Riquet fait appel à lui, si on fait appel à lui, il va répondre à l'appel. Mais Lucien Riquet, globalement, c'est un coach expérimenté. Moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Il va trouver les pièces de rechange.
pour remplacer Emery, mais c'est vraiment dommage parce qu'on parle là d'un joueur, du troisième joueur le plus utilisé par Luis Enrique après Donnarumma, Skriniar et venant en troisième position. C'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. C'est un joueur qui n'a que 17 ans, il a encore une marge de progression. Et c'est aussi au PSG qui n'a pas su recruter au milieu de terrain. Vous pensez que si le PSG avait peut-être pris Bernardo Silva, ils avaient peut-être pris des joueurs comme les Toni Kroos et j'en passe, vous pensez que Zé Emery devait être indispensable? C'est juste qu'ils n'ont pas anticipé. Même le petit Xavi Simon, qui joue qu'on a prêté au RB Leipzig, là. C'est un joueur qui aurait fait du bien au PSG de fou. Il refait du bien au PSG de malade mental, les gars. Je te jure. Mais le PSG, je ne sais pas pourquoi on l'a prêté. Il s'éclate à Leipzig. Il s'éclate. Il sort MVP quasiment tous les matchs là-bas. C'est un milieu très fort. Très, très fort même. Je ne sais pas pourquoi le PSG l'a prêté cette saison. Pour moi, c'est un joueur. Il a sa place dans l'effectif de Luis Enrique. Propre, clairement. Donc, Zé Emery, les amis, c'est un joueur qui va manquer au PSG, vu l'effectif actuel du PSG. Mais si on le balance dans un club comme le Bayern, Manchester City, il ne sera pas indispensable. Mais il est indispensable au PSG parce que c'est aussi au PSG qui a fait un mauvais recrutement au milieu du terrain. Donc, c'est mon avis. Partage-moi le chat en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!